les garçons. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Robin, on est bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que c'est ça derrière vous? C'est une bulle géante, une maison quoi. Une bulle maison? Ouais. Waouh, elle est énorme. La plus grosse bulle du monde? Clairement, oui. C'est vraiment une bulle? Oui. C'est une bulle géante. Une bulle géante? Oui. Une bulle maison, comme disait Swan. Voilà, c'est ça, une bulle maison. Comment ça se fait que c'est une bulle maison? Parce qu'en fait, j'ai soufflé très fort dedans à l'aide de cette paille. Et de ce produit. Bien sûr. Bon, ça, c'est la vidéo précédente, les copains et les copines. Maintenant, il serait peut-être temps de leur dire la vérité, non? Oui. Alors? Oui, c'est pas une vraie bulle. C'est pas une vraie bulle? C'est un gonflable. Ouais, je sais. C'est dur de l'avouer. Regardez. En fait, il y a un autre morceau de l'autre côté. Un sas. Un sas, effectivement. Et en vérité, c'est par là qu'on rentre dans la bulle géante. Voilà, voilà. Maintenant, vous allez tout savoir. Et c'est pas comme ça. Pas tout à fait. Donc voilà, cette bulle géante qui est quand même énorme, ça c'est vrai. C'est sûr. Voilà. Mais autour, il y a effectivement un sas. Le sas, vous le voyez, il est ici, au fond. Voilà par où nous entrons. Wow. Nous ouvrons la fermeture éclair. Oui. Et on se dépêche d'entrer. Oui. Et on referme. Et on referme, effectivement. Effectivement. Alors on vous montre. Ça c'est le sas. Donc pour ne pas perdre l'air, voilà, on va se dépêcher. Je vais rentrer avec les garçons. On va vous faire une démonstration. Et nous voilà dans le sas. Alors, donc là, Néo se dépêche de refermer effectivement pour ne pas qu'on perde trop d'air. Donc ça y est, là ça résonne à fond. Ouais. On est dans le sas. Ouais, passer 24 heures ici. C'est dans le sas que vous envisagez de passer 24 heures? Non, quand même pas, c'est trop petit. Hein. Attention, grand moment. On vous fait entrer dans la bulle géante. Wow. Et voilà. C'est magnifique, hein? Ouais. Regardez comme c'est superbe. Juste incroyable. Et voilà. Juste le ciel au-dessus de nous. Voilà cette fameuse bulle. Alors pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein. Il y a juste nous. Et donc, d'après ce que j'ai compris, vous envisagez d'y passer quelques temps. Oui, parfaitement. Ouais. On va y passer 24 heures. Vous êtes sûr, c'est un sacré challenge, hein? C'est sûr, là c'est plus dur, mais ouais, ça va le faire. 24 heures dans une bulle géante. Ouais. Enfin, non, ce serait plus facile parce qu'on a plus de place. C'est vrai, vous avez de la place. Parfois. Mais pour le moment, il n'y a rien dedans par contre. Non, ouais. C'est vrai. Vous allez vous installer? On va s'installer. Un vrai déménagement là. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est parti, on équipe la bulle. Go. Swan, j'ai l'impression que quand tu parles maintenant, oui, ça saute un peu. Qu'est-ce qui se passe, Swan? J'ai une dent, moi. Et une deuxième, du coup, parce que déjà au début des vacances, t'as perdu une première dent. Et encore une. Ouais. Bon, tu t'arrêtes là quand même pour le moment. Je pense. Oui, on va attendre qu'elle repousse quand même avant de perdre les autres. Et cette deuxième dent, tu l'as perdue comment? En rentrant dans la bulle. C'est une bulle magique. Ouais. Elle aide à faire tomber les dents de lait. Mais du coup, ça veut dire que la petite souris, elle va passer dans la bulle cette nuit? Oui, je pense. On y va. T'es sûr? On y va, on apporte le lit, première chose. Première chose, on apporte le lit et l'oreiller pour la petite souris. C'est sûr. Bien sûr, priorité. Allez, on ressort et on va amener toutes les affaires pour le confort de ces messieurs cette nuit. Mmh. Alors ça sert à quoi tout ça? En fait, ce sont des gonflables qu'on va amener dans la bulle géante. Donc là, en fait, c'est mon lit, c'est mon matelas. Ça sent mes ailes quand même. Swan, parce qu'il adore le rose. Et paillettes. Donc mon coquillage, pailleté. J'ai bien compris en fait, ce sont toutes mes affaires qui partent dans la bulle. Ouais. Et ça, c'est la déco. Et ça aussi, parce que ça brille dans le noir. Donc c'est mon pouf lumineux, normalement. Ok, j'ai bien compris. Ça va être super joli. Sous la bulle, le changement des couleurs, ça va être magnifique. Ouais. Allez, c'est parti, on installe tout ça à l'intérieur de la bulle. C'est parti. On met ça. On va attendre la petite bouée de plage. Oh. Vas-y, sonne. Et ça, c'est quoi? Une glacière enceinte. Et multicolore. Voilà, lumineuse. Lumineuse. Bah, dis donc. Ça. Bah, oui, c'est parfait. Et en plus, elle roule comme une valise. Trop bien. Super pratique. Bah, vous allez être bien avec tout ah, ça, oui, dis donc. Sûr. Tout ce qu'il faut.
ça va les Pachas? Ouais. Ouais, ça va. Vous êtes bien installés? Tranquille. Alors, voyons voir. Comment ça se passe? Du côté de Petit Swan, il y a une invasion de peluches. Ouais. Voilà, il y en a de partout. Et des BD qui sont là, la sélection de Swan. Pour passer une bonne soirée, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Du côté de Néo, on a des mangas, ouais, un ordinateur, un téléphone et une Switch. Ouais. Là-bas, il y a aussi des jeux de société qui ont été amenés, ouais, par Swan. Pas trop cher. Là, il y a la fameuse glacière qui met de l'ambiance, enceinte, voilà, qui est raccordée du coup au téléphone de Néo. Et là, nous avons donc la fameuse déco, voilà, avec le panier. Mais je crois que vous êtes mieux que des Pachas encore. Hein. Ouais. Ah. Je crois que là, vous êtes trop bien. Ouais. On a le reflet des lumières du pouf. Ouais, c'est très bon, trop joli. Et là, pour l'instant, on attend les étoiles. Bon, on les a pas encore parce qu'il fait pas encore complètement nuit. C'est tellement joli en fait. Trop sympa. Waouh. On croirait la voûte céleste. C'est magnifique. Mais il manque un élément essentiel. Hein? Manger. Manger. Mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger? Je me demande bien. Vous allez vous faire à manger tout seul, c'est bon? Oui, non, bien sûr. McDo? Ah, voilà, ouais, évidemment. Achète 24 heures, c'est McDo. Oui. Heureusement qu'on fait pas ça tous les jours. Ouais, hein. Heureusement. Bon, on va vous chercher ça, les Pachas. Merci. Alors, maman, t'es allée commander McDo, du coup. Swan, ça va? Ouais. Tranquille, la bulle, c'est agréable? Ouais, c'est bon. Voilà, t'es au calme, hein? Ouais, devant ta BD, tranquille. Tes impressions? Bah, c'est bien. Swan, tu penses qu'on va bien dormir? Ouais, je pense. Oh, comme c'est bien. Moi, je pense qu'on va même super bien dormir. Ça va être hyper agréable, je pense. Swan, on fait une petite partie sur la Switch? Tu vas jouer à quoi? Mario Maker 2. Mario Maker 2, c'est parti. C'est ton niveau, Swan? Oui. Il est bien. Ah oui. Ouh. Les garçons? Oui. Je pense que vous allez être très très contents. On a commandé McDo. Ça y est, le dîner est arrivé. Pour Monsieur Swan, bien sûr, petit Happy Meal. Pour Néo, il y a du coup un CBO, des frites... Et un donut. Et un donut au chocolat. Alors voilà le CBO. Et il y a aussi une boîte à partager. Ah, les nuggets. Ah, voilà. Donc à partager, Néo, c'est marqué dessus, hein. T'es sûr? Oui, je suis sûre, tu manges pas tout. Et Swan, toi, t'as pris quoi, alors? Bah, comme d'habitude, un Happy Meal. Un Happy Meal avec des nuggets. Et des frites. Et une surprise, monsieur, madame. Bon appétit, les garçons. Merci. Ça va? Oui. T'as assez mangé, petit cœur? Oui. Oh, ça va être l'heure du dodo. Mais d'abord, je veux qu'on regarde un film ou un dessin animé. Swan, tu choisis. Tu t'es mis quoi, Swan? Les Schtroumpfs 2. Quoi? Mais elle l'a vu 20 fois. Oh, c'est grave. C'est une blague. Oh. Bon, les garçons. Oui. Donc, vous couchez pas trop tard pour autant, hein. Ok. Ouais. Je peux vous laisser, c'est bon? Vas-y. Swan, tu n'as pas peur? Non, c'est bon. Et surtout, tu veux regarder son film. Maman, tu t'en vas, s'il te plaît, merci. Léo, ça va aller, c'est bon? Ouais, tranquille. Bon, ben, je vous laisse alors. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais vous faire un bisou. Hé, hey, Swan. Swan, t'as pas oublié quelque chose? Bisous. Bah, bisous, bien sûr, mais t'as pas quelque chose à mettre sous l'oreiller? Une dent. Mais oui, t'as perdu ta dent aujourd'hui. Tiens, petit cœur, je l'avais gardé dans ma poche. Allez, mets-la sous l'oreiller. On verra si la petite souris parvient à se faufiler dans la bulle. Et voilà, je pense que les garçons vont passer une super nuit sous leur bulle géante. Ils sont vraiment installés comme des pachas, hein, avec leur palmier, là. Excellent. Le grand confort. On va... Nous voici dans la bulle du coup avec Swan, on va dormir ici. Donc Swan est en train de regarder un film. Donc Swan regarde les Schtroumpfs. Je sais pas si je vais réussir à le décoller, hein. Rien que là c'est difficile à supporter, hein. J'espère regarder un autre film quand il sera couché. Ça va Swan, super le film? Ouais. Ouais, tranquille. T'es pas un peu fatigué? Non. Ouais, bon bah tu... Voilà. Bon film. Oh ça y est, c'est enfin fini. Laisse-moi aller. Je vais regarder ce que je veux moi. Tranquille, en plus il dort. Oh, il dort bien. Je vais en profiter.
Bon bah du coup je vais me remettre les épisodes de Rick et Morty hein. Je les regarde. En attendant la saison 4. C'est l'heure du petit déjeuner. Petit déj sous la bulle. Voici le petit déjeuner de ces messieurs Pacha. Très chocolaté, mais il commence déjà à faire chaud sous la bulle. Alors vite, on se dépêche de déguster tout ça. Ça va, c'est bon? Ouais. Hey, Swan, tu manges de côté. Comment ça se fait? Il te manquerait pas une dent par hasard? Alors, j'ai oublié. Est-ce que la souris a réussi à rentrer dans la bulle? On va voir. Et oui. C'est bon, elle est passée? Oh, waouh. Eh ben, dis donc, elle est courageuse cette petite souris, hein. Ouais. Alors les garçons, vous êtes toujours dans la bulle géante? Ouais. Comment ouais. ça s'est passé cette nuit? Très bien. Vous avez bien dormi? Ouais. C'était bien. C'était confortable? Oui. Alors du coup, petit Swan m'a demandé de lui ramener d'autres choses encore. Voilà le guide de la construction Minecraft, d'autres jeux de société. Donc là, il y a Cuisto Dingo. Et puis celui-là qui est parfait pour l'été, fais ta valise. Maman, tu joues avec nous? Moi, si vous voulez. Léo, tu joues aussi? Pas de problème. Bon, bah super. Vous voulez commencer par lequel du coup? Cuisto Dingo. Fais ta valise. Ah, bah il faut vous mettre d'accord alors. Shifumi. 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 Qui c'est qui gagne? C'est Swan qui gagne. Donc on commence par... Fais ta valise. Bon bah les garçons, on va tenter hein. Allez, on y va. On va jouer avec les petites cartes. Ouais. Ça a l'air compliqué, on dirait ma vraie valise avec beaucoup trop de choses emmenées en vacances et qui n'entre pas du tout. Vous vous en sortez hein? Ouais, super. Mais c'est impossible de tout rentrer. Oh. Ça a pas l'air simple hein. Bon, on change de jeu. Allez, on change de jeu. Allez, maintenant on passe à Cuisto Dingo. Ouais. Les couleurs que tu veux. Toi. Allez. Ah, fun. Alors, voyons voir. C'est plus facile ça, hein, de le remplir dans le burger. La famille de gourmands, ça, c'est ça. Alors, deux. Allez. C'est vert. Un peu ça. Hop. Allez, pépère. Alors, c'est. Ah, c'est un. Ok. C'est bon. Oula, oula. Quatre. Swan qui est déjà en panique. Oh non, explosion. Un, deux, ouais, non, c'est bon. Trois. Voilà, attention. À toi, Swan. Trois. Oh non, explosion. Attention. Oh. Toujours pas. Oh non, ça y est. Ça s'est caché tout, ça avait juste un coup. Ça faisait rien, Swan, regarde. À chaque partie, c'est pareil. Tu as une explosion. Mais non, pas avec celui-là. Ouais. Tu confonds avec Réveille Papa. Ouais. Alors, pendant que Swan et Néo continuent à s'affronter avec divers jeux de société, je suis partie chercher le déjeuner. Donc, vu qu'on est sous une bulle géante, bon, bah, on a opté pour un pique-nique, hein. Donc là, il y a des tomates cerises de deux couleurs différentes. On a aussi des baby carottes. On a ici des filets de poulet, un petit peu de saucisson, des chips, donc là je pense qu'ils vont être heureux, de l'eau bien sûr, et des compotes de pommes. Ouais. Allez, bon appétit. Merci. À table. Les garçons ont fini de déjeuner. Bon, apparemment ils sont sur les jeux vidéo. Swan sur la Switch, Néo sur le téléphone. Comme vous pouvez le constater maintenant qu'il fait jour, ils se sont bien installés. Hein. C'est pas super bien rangé, mais ils ont tout le confort, on va dire ça. Alors en fait, avec le sas d'entrée, on se croirait vraiment dans un igloo. C'est trop rigolo. C'est très grand à l'intérieur, vous avez pu le constater. C'est bien insonorisé. C'est vraiment tout confort. Je crois que les garçons sont comme des pachas. Là, il leur reste l'après-midi à passer dans leur bulle géante. Et ils auront réussi leur challenge 24 heures. Allez! Je retourne voir les garçons, donc je réemprunte le sas, voilà, et cette fois-ci, on va passer au goûter. Donc en fait, le goûter, je l'ai déjà apporté tout à l'heure, mais je l'avais laissé au frais. Dans la glacière, on va voir si ça a marché. Ça va toujours? Oui, ça va. C'est l'heure du goûter.
Allez. Le goûter, il est là-dedans. Normalement, il a dû rester au frais. Voilà. Mmh. Parce qu'il y avait des petits packs de glace. Et des donuts au chocolat. On est où? Il en est déjà au deuxième donut au chocolat. Ouais. Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais toi, poussin? Je regarde les nuages. Ah mais t'as raison. Là, je crois que t'es au meilleur endroit pour faire ça, là. Pas de soucis. Effectivement, c'est parfait pour regarder les nuages. On en a quelques-uns aujourd'hui. Et heureusement, je dirais, parce qu'il fait quand même super chaud sous la bulle. Bon, on attend que Néo finisse son donut. Ouais. Et on arrête là le challenge? Ok. Ouais. Ça vous va? Ça me va. Ça fera 24 heures, hein? Ouais. Bien joué les garçons. Wow. Et maintenant il va falloir ranger tout ce bazar, bien et sûr. Voilà. Voilà, voilà. Elle et ça y est, les garçons ressortent de la bulle. Ouais. Pompou. On dirait des cosmonautes qui arrivent d'une fusée. Ouais. Alors c'était comment ces 24 heures dans cette bulle géante? Oh, c'était trop bien. Très bien. Bon, maintenant il va falloir tout ranger, hein? Ouais. Alors qu'est-ce qui est le plus sympa quand on passe 24 heures sous une bulle et qu'est-ce qui est moins? Dormir. Dormir, c'est sympa. C'était agréable, ouais. Clairement, ouais. C'était très sympa. Aussi regarder des films, manger McDo dans la bulle, c'était agréable. Et ce qui était non satisfaisant, il faisait quand même bien froid à nuit et il faisait ultra méga chaud. La journée. Le problème effectivement, ce sont les variations de température. Bah, c'est comme en camping en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça. Quand on est sous la tente. La nuit, il fait frais effectivement. Et par contre, la journée, on transpire beaucoup. C'est ça. Sauf que là, on voit le ciel, on voit les étoiles, on voit les nuages. Ouais, c'est agréable. Ouais. Ça, c'est le gros avantage. Bonne expérience. Et vous, est-ce que vous êtes déjà allé dans une bulle géante? Dites-nous. Pensez-vous, surtout, abonnez-vous, un gros bisous, on vous, bye tout le monde, bye. Un bisou, bye bye et plein de bye bisous. Bye. Allez, on déménage tout maintenant, on vide, on vide. Et voilà.